que mon intervention soit J'ai demandé l'autorisation, honorable président. Allez-y, c'est bon. Merci, honorable président. Mais le bon madame, au coup, ça a dû sauter. Honorable président, parce que chaque fois que tu es la Makambambongo, tu es même en français. Que Makambongo soit qui toque au collègue, au peuple, au kate. Mais tant que tu es un peu plus de lingala, tu es un peu plus de la Moutounyo soye bi eloko babengi politique. Notion ta ya mouke ya politique. Aibi ke ministère ezalaka ko représenter besoin ya population. Basalaka ministère pona ko salate. Batalaka population zana posa nini. La ministère oyo est occupé na posa wana ya population. C'est ça le ministère. Population zana posa Basali ministère ou agriculture, élevage, na makamumsus. Azana poste de santé, basali lié ministère. Mais, ni konyo, batsambongo, bazo matsambongo, nzembo. Mais, mbongo wana, ezo koma na population, te président. Voilà pourquoi, tango bazo abake bar député, bazo boye, population en tomboki. Mais j'ai découvert pourquoi mbongo ezo koma te. Plus mbongo ezo mata, plus batu bazo doublé ba dépense. Ngate mtu na lobi. Awa, cour de compte mtu alobi. Soti otali, ezataka, balobi accroissance, de l'autre côté balobi dépassement. À la page 51, président, balobi wana ke ministère nyonso, batangi 6 ministères. Na lingina tu na nan soti besoin population ezawa. Oui, les aliments d'âme. Tozui, ministère, il y a défense. Ministère, il y a liboso. Président, de bâtir wanake, yango mou tozui mbongo e belé. Mais ni kolonyo so bazo loba awake, tozo pesa mbongo te, yako pesa ba soda, yako kende na front, yako kende na armée, mais na document, oh yo to koutike ministère a liboso, et zozo mbongo e belé, et sa défense, président. Deuxième élément, président. Tous les ministères Anibale et un ministère d'enseignement, primaire et secondaire. Un collègue, il sait d'avoir un collègue, mais page 51, un document ni. Ah, précisé. Nazana, document au cours des comptes, page 51. Très bien. Déplace Nazai. D'accord, très bien. Yannibale, président. Tous un enseignement. Tolobi, ah oui. Tous un dit ma gratuité de l'enseignement. Mais n'a qui docteur à l'obéa ok, député moi pas outil pour ton école. Si quoi mongo oyo va affecter l'enseignement, honorable président, et ok n'a qu'à voir qui va école en gros ton gawan à l'ola ou bien à ma belao. Honorable président, troisième ministère, Batang, et ça y a intérieur. Pour la sécurité à Bissonio soir. Honorable président, Ndenge tozaliawa, ngana yoto yebi. Que lelo, nous avons des coins où ba policier va zo réclamer na teni oyo yakolata ezo mona na te. Oko mona que la police na biso, ba zo tia ba mona tu mwa conteneur moko, soni yakosaka na te, honorable président. Si bon mongo ezo kende na ministère intérieur, musala nango ezanini. Honorable président, ezo zo waka na intérieur wan. Là où le pays fonctionne normalement, les services de renseignement devraient nous aider à anticiper les événements. Mais ce qui est allé à la présidente, disons-nous, c'est comme si le renseignement va se faire,
Moussala Abangweza, Koulukaka Kouchaka Manzaka Nabat. Ce n'est pas ça, c'est les services d'intelligence, honorable président. Quatrième ministère, Balobi, affaires étrangères. Tant que tu as affaires étrangères, total budget, total diplomatie. Tant que tu as la diplomatie, Mokanini va respecter Bissou. Demana passeport ya Congolais, awa batunyan so bakoleka, yo bakozana loup, batunyan so bazone, bazuna loup, bazotale la yo. Le londenge tozoro ba awa président, moutoupon azo même passeport et visa ya koken Afrique du Sud awa kosala 6 mois. Narobi, heureusement, azo remercie bureau ya président, bureau ya Assemblée nationale. Collègue, président, le code service n'a conflit n'a pas payé moussou souté. Non, suivez, collègue, suivez. Chaque pays a sa réglementation en matière de visa. Ce pays est respecté. Collègues, sortez et allez dans certains pays. Le Congo, c'est respecté. Il y en a qui vous disent l'Afrique, c'est le Congo. Et ils sont fiers de ce pays. Mais il y a des aspects que vous avez soulignés, l'insécurité. Ce qui se passe chez nous, ça les indigne. Là, je suis d'accord avec vous. Mais respectez le Congo est respecté. Nous sommes respectés. Ce côté-là, allez-y, collègues. Merci, président. Nous allons se soumettre à l'expertise, à l'expérience. Mais nous allons appeler que les Alicamou. Nous allons faire ça, merci, président. Pour nous répondre, la question orale avec des bandes, on t'indique en gros déjà. Parce que nous avons la diplomatie ouanet. Parce que si les 3 ans, Congolais ont été en Chine, à quel Anzelani, Bazaliko soumettre Bisson à la condition de Kosakanate, alors que Bazoya Koboa Kangundao, Tokoya Yango Mokolo Moussous, honorable président. Nazo tout la sikolo, mbongo ya diplomatie, oyo ya affaires étrangères. Pourcentage est belé, et aucun de Watt. N'allons pas, je prends un autre ministère. Il y a budget. Voilà. Toko, je vais te tenir dans mon pensée. N'a qu'un aïe justice et garde des sceaux. Honorable président, chers collègues, bien encore, vous êtes chef de l'État, vous êtes déploré. Ma cambozo, ça, les mana justice n'a bisou. Bozo, mon aké, et l'eau, vous êtes en bas, la kuna, et zate, ou balobé pananga, anyanya, wanyanya. Vous allez trouver que ministère Oyo, ce qui est en et l'autre est allé inquiéter, n'a déposé toute question orale avec débat contre Madame Wan. Aya awa, ma prison est onda, bakokangamutu, midi, 11h abîme. Bazimbongo, ba pessie. Sixième ministère, c'est le cinquième, je crois. Mais maintenant, président, vous allez constater que vrai besoin de la population, bazon wa charge était. Agriculture, et ça t'a connoté. Soins, ministère, il y a santé, et ça t'a connoté. Parce que tu as dit que ce qui est obéi, il va évacuer. Et là, comment côté, honorable président, Oyo, pêche élevage, pour Anthony Ambis, et ça t'a honorable président, Awa, tu peux ici, mon tout, pour Ambis, il y a la Mibi, tu as la maille, tu as la gnose. Mais il n'y a pas de moyen qu'on met là-bas. Petit Kali, nous vivons vraiment de l'importation, honorable président. Ce qui va payer, on va candidat à la frontière, bisotogoliate, tokobandakotalana. Mais ce qui t'a dit discours, quand tu as autant de terres arables, tu as la maïboui, mais exploitation exacte parce qu'il n'y a pas un budget sérieux dans ce sens-là, honorable président. Honorable président, Nalingina, ce qui ça peut être la question, la deuxième point. Nakotuna madame Pario, honorable président, le Kola Nazana Ndinisa Kotuna Yete. Toyokanaka wake, il faut to retenaka 10% pour la caisse nationale y a péréquation. Parce que caisse Wanande Kosunga qui est libre, il y a pas ETD. Ce qui m'a dit le lot.
bazali ko yembela biso tongo midi pourquoi j'ai dit honorable président. Merci collègue, nous sommes l'autorité budgétaire. Nous allons, avec le nouveau budget, votre bureau vous donnera quelques orientations en accord avec vous-même. Collègue Kangoudia, que les collègues Mopeka Jocelyne se préparent. Il n'est pas là. Collègue Kangoudia, Pierre Kangoudia. G18. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je ne voulais pas prendre la parole, mais finalement, les chiffres m'ont motivé pour que je vienne m'exprimer ici. Parce que là, nous sommes en train d'examiner la situation de l'exécution du budget pour l'exercice 2021. J'ai retenu une seule remarque de la Cour des comptes. Ça concerne le solde des opérations au 31 décembre 2021. Nous avions ici voté un budget rectificatif. Pratiquement en fin d'exercice. La curiosité intellectuelle est d'abord de voir que nous clôturons ce budget 2021 avec un déficit de 332 milliards de francs congolais. En même temps qu'il est signalé une performance évidente en matière de mobilisation de recettes. Je n'ai pas très bien compris comment on n'a pas pu agencer les choses de manière à éviter une situation déficitaire en fin d'exercice. Mais en même temps, j'ai regardé assez rapidement, peut-être que je n'ai pas pu tout lire étant donné que nous avons reçu le rapport hier seulement, je n'ai pas bien vu comment a été financé ces déficits. Pourquoi je pose la question ? Parce qu'en même temps, la révision des comptes nous informe que les comptes spéciaux ont été clôturés avec un solde consolidé excédentaire de 267 milliards de francs congolais. Et nous avons eu le déficit pour le budget de l'État. Je venais de le dire, les 332 milliards de francs congolais. Quel a été le mode de financement des déficits? Quelle est la politique du gouvernement en matière de gestion de la trésorerie de l'État? Je voudrais parler de la trésorerie consolidée dans la mesure où les comptes spéciaux ne sont que le démembrement, le prolongement du gouvernement. C'est un débat très important. J'ai eu à en discuter ici avec certains de mes collègues, je peux citer notamment le collègue Dédé Mpassa. Il faut savoir qu'historiquement, tous les comptes spéciaux étaient logés au compte général du Trésor. Et assez facilement, quand vous faites les suivis des opérations du Trésor, quand vous présentez les TOF,
vous devez inclure impérativement le solde des comptes spéciaux. Dans la mesure où, assez souvent, le gouvernement ne peut pas avoir de manière systématique des disponibilités de trésorerie pour rencontrer les urgences qui s'imposent. Et qu'est-ce qui se passe? On recourt à des facilités de trésorerie, notamment, et assez souvent d'ailleurs, et c'est la tradition ici chez nous, à l'émission des bons du trésor. Maintenant qu'il y a eu cette situation pas très commode dans la gestion au NAP, déloger les comptes des comptes spéciaux de la Banque centrale vers les banques commerciales, ce qui se passe, c'est que quand vous émettez des bons du trésor, les banques souscrivent à ces bons-là en recourant à la trésorerie disponible. Et la trésorerie disponible se retrouve particulièrement au niveau des comptes spéciaux. C'est-à-dire que l'État décaisse l'argent, met à la disposition des banques qui viennent lui vendre cet argent-là pour financer ses opérations. Donc c'est un problème de philosophie dans la philosophie financière que nous devons impérativement résoudre, et nous sommes disposés à ce que nous puissions réfléchir ensemble et trouver les voies et moyens. À titre personnel, j'en ai déjà parlé avec le directeur général de la Banque centrale du Congo, et je trouve que c'est ce que nous devons faire. J'encouragerai le gouvernement de continuer à le faire, mais j'aimerais d'abord, avant d'y arriver, que peut-être pas maintenant au niveau de la Commission économique et financière, qu'on nous présente la structure de financement du déficit pour l'exercice 2021. Honorable Président, je dis et je vous remercie. Merci, collègue Angoudia. Honorable Mopeka. Que les collègues Ngopé se préparent. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, mon intervention de ce jour est en rapport avec la reddition des comptes des services provinciaux. Nous sommes dans les documents, on lit les documents, volume 6, première partie, page 163 à 171. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, je constate avec beaucoup de regret que le montant alloué aux services provinciaux du Kwilu est trop bas par rapport à d'autres provinces de la République. Et en outre, la répartition de cet argent n'est pas équitable. Sur les 5 territoires et 2 villes que compte la province du Kwilu, il n'y a que 2 territoires, les territoires de Massimanimba et d'Idiofa, qui ont bénéficié de quelques subsides de l'État. Les territoires de Bulungu, de Bagata et de Gungu n'ont rien bénéficié de ces subsides. Et ma question est celle-ci. Nous voulons savoir pourquoi ce comportement qui s'apparente à une injustice, messieurs les ministres, madame la ministre. Il serait souhaitable que, dans l'avenir, cette situation soit corrigée en répartissant de manière équitable les fonds dans toutes les provinces et dans tous les territoires de la République démocratique du Congo. J'ai dit et je vous remercie. Merci, honorable. Vous ne l'applaudissez pas?
Honorable Ngoupe, quand les mamans viennent intervenir, il faut les applaudir. Collègue Ngoupe, avant la caravane de terre. Vous avez la parole, chers collègues. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je tiens d'abord à féliciter de prime abord la madame la ministre, vice-ministre des Finances pour son allocution. Honorable président, je n'ai que deux petites observations que je vais faire en rapport avec cette reddition des comptes. Je vais d'abord m'accrocher au rapport des cours des comptes parce que c'est lui qui est notre inspecteur. En ce qui concerne le paiement des dettes publiques, je renvoie, honorable président, le gouvernement confère page 44 du rapport de Cour des comptes. Monsieur le président, il y a une circulaire. La circulaire dite numéro 001/VPM/ministère budget/2021/13 janvier 2021. Contenant les instructions relatives à l'exécution de la loi de finances 2021 et qui dispose au point 3.1.1.2 sur cet article, la DGP, la DGDP élabore dans un premier temps, au début de chaque trimestre, les tableaux récap, c'est-à-dire la récapitulation des échéances de services de la dette de la période. Elle les transmet au ministre des Finances pour établissement d'un bon d'engagement et cela avec copie au ministère du budget, de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique et aussi de la BCC qui est la banque mère. Ensuite, à notre grande surprise, ça c'est le rapport qui dit ça, il ressort de la revue des annexes au projet de loi portant réduction des comptes qu'un certain nombre de dépenses, un certain nombre de dépenses d'un total de CDF 120 085 319 905,97 ont été payées au titre de la dette ou des montants engagés. C'est le recours à la sale pratique qu'on a souvent stigmatisé ici. Je demande, honorable président, parce que ici, nous avons réussi à faire passer le ministre des Finances qui est passé ici, que lui a opté pour l'orthodoxie financière. Alors maintenant, quand on engage des montants comme ça, sans tenir compte des règles préétablies, la réponse, honorable président, vous allez vous-même poser au ministre. Secondo, je vais parler au sujet de l'ETD. Honorable président, d'une manière générale, moi j'ai l'impression que le gouvernement central se crée les dépenses de lui-même. Et à la fin de chaque exercice, il affecte toutes ces dépenses au niveau des ETD en disant: quel territoire, j'ai acheté ceci. Collègues, suivez s'il vous plaît. À gauche, là, vers le fond, suivez s'il vous plaît. Pardon. Merci, monsieur le président.
laisser la nette impression que le gouvernement central est en train de créer les besoins, c'est-à-dire les dépenses. Et à la fin de chaque exercice, il affecte ses dépenses au niveau des entités territoriales. En disant, voilà telle dépense qui a été engagée pour tel territoire, pour tel secteur, pour ceci. Alors que, si réellement nous faisions notre travail de député et que nous analysions chaque rubrique pendant les vacances parlementaires, il allait y avoir des accrochages entre le gouvernement et le Parlement. Donc, Monsieur le Président, c'est mieux de conseiller le gouvernement d'engager les dépenses prévues par la loi de finances que de dire j'ai fait ceci, j'ai engagé ceci, j'ai acheté ceci, cela n'est pas bon. Encore une seconde. Collègues, asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Pour terminer, je demanderai au gouvernement de bien respecter les principes auxquels lui-même nous a amenés ici sous forme des règlements et des lois de manière à bien gérer le pays. Je dis et je vous remercie. Merci, collègue. Collègue Iolo. Que les collègues Wanda Christelle se préparent. Oya Zago Luka ba mama ba bande luba. Bangoana. Collègues, vous avez la parole. Vous avez 5 minutes. Merci beaucoup, honorable président, de la parole m'accorder. J'ai quelques préoccupations, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, très distingué collègue. Honorable président, je pense à mon humble avis que le projet de loi de reddition des comptes, c'est une loi interrogatoire. C'est une loi qui interroge l'exécution du budget de l'exercice de l'année passée. Mais honorable président, lorsque je pris ce projet de loi, tome 1, volume 6 concernant le service provincial. Je me suis rendu compte, honorable président, que la province de l'Équateur, ma province, est victime de ce travail, honorable président. Pourquoi ? Comme vous le savez bien que le budget est pour tout le pays, dont la province de l'Équateur fait partie. Mais pour ce projet de reddition de comptes, curieusement et contre toute entente, honorable président, la province de l'Équateur a 7 territoires, et dans chaque territoire, il y a des secteurs. Je suis dans la page 35. On a pris à compte que la ville de Mbandaka, avec ses 2 communes, la commune de Mbandaka et la commune de Wangata. Et concernant le territoire, honorable président, vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas pris à compte le territoire de Bomongo, chez le docteur Mwamba.
le territoire d'Ingende, le territoire de Bolomba, le territoire de Bassankousou. Je reprends pour le territoire de Bomongo, le territoire de Makanza. C'est un travail sélectif. Mais qu'est-ce que l'Équateur vous a fait, le gouvernement ici représenté? Dans d'autres provinces, vous avez ramassé tout le secteur, les entités territoriales décentralisées. Mais quid de la province de l'Équateur, honorable président, qu'on a pris seulement la ville de Mbandaka avec ses deux communes, et mais le site territoire, parce qu'on a parlé que de secteur concernant le secteur de l'Ukolela. Mais les autres territoires, honorable président, on n'a pas envoyé l'argent. Et nous nous posons la question, c'est une injustice sélective, c'est l'omission ou c'est un acte involontaire? Honorable président, je prends la première rubrique. On a écrit pour la province de l'Équateur, réhabilitation, réfection des routes, des pistes de ponts, ports et aéroports. Honorable président, vous regardez la rubrique concernant le montant reçu. 0, 0, 0. Mais curieusement, montant payé, 3 329 800 quelque chose. Cette absurdité me complique de comprendre cette rubrique, honorable président. Le montant dont on n'a pas reçu, mais on a payé quand même ce montant. Comment? Honorable président, je ne vais pas abuser de votre temps parce que vous m'avez accordé que 5 minutes. Et je pense que le message est passé. Et que lorsque Madame la ministre va reprendre la parole, qu'elle essaye un peu d'expliquer à la population. Encore une seconde. Merci beaucoup, honorable président. Lorsque la représentante du gouvernement va reprendre la parole, qu'elle explique à la population de l'Équateur ici représentée pourquoi le gouvernement a oublié le site territoire précité. Je dis et je vous remercie pour la parole accordée. Merci. Merci, collègue. Collègue Vanga. Merci, honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, madame la ministre. Contrairement à l'honorable Nawesh, j'ai remarqué que madame la ministre était pertinente sur la forme et dans son fond. Honorable député et chers collègues, j'aurais dit sans objet, parce que mes collègues ont été vraiment pertinents dans leurs différentes interventions, mais je voudrais quand même ajouter quelque chose. Lorsque nous lisons le rapport de la Cour des comptes, à mon avis d'ailleurs, nous pouvons résumer ce rapport en trois mots. La mobilisation, le dépassement et le déficit. La Cour des comptes a relevé les points positifs, notamment la grande mobilisation de la DGI, chapeau bas, 53% de contribution dans les recettes internes, c'est à saluer. Mais par contre, il y a 14 points négatifs. Et parmi ces points, il y a un qui a retenu mon attention, c'est la rubrique de dépassement budgétaire. Chers collègues, lorsqu'il y a dépassement dans les institutions, dans les ministères régaliens, des grands secteurs entre guillemets, il faut savoir que le budget souffre de ce qu'on appelle l'effet éviction. L'effet éviction, ça veut tout simplement dire que si ces ministères dépassent leur budget, ce sont les secteurs sociaux de base qui en pâtissent. Et chers collègues, ne vous étonnez pas,
Si un de vos électeurs, par chance, a des quadruplés, des triplés, au lieu de se rendre au ministère des Affaires sociales où on va lui dire qu'il n'y a pas d'argent, il vient voir le député. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'on devrait accentuer le travail de la caisse de péréquation de manière non seulement quantitative, mais aussi qualitative. L'effet d'éviction fait souffrir le secteur social. Parmi les faits relevés dans ce rapport, j'ai lu quelque part, je prends au hasard, dans les dépassements, dans l'exécution des dépenses courantes, j'ai vu quelque part où on a écrit « biens et matériels, achat des biens et matériels, dépassement 218%. » Je voudrais vraiment savoir quel est ce matériel qu'on achète chaque année et pourquoi ce taux de dépassement en ce qui concerne l'achat des biens et matériels. Chers collègues, on peut bon mobiliser les recettes, mais s'il y a dépassement budgétaire, rien ne se ressent aux côtés de la population. Alors, Madame la Ministre, comme j'avais dit, je serai concise, je n'ai qu'une seule question à vous poser. Le budget, c'est un instrument de développement, mais également de répartition équitable des richesses. C'est très important. Alors, la Cour des comptes nous a dit dans son rapport qu'elle a eu à faire des remarques, des enseignements par rapport à l'exécution des budgets précédents ou antérieurs. Alors, ma seule question est, à travers, bien sûr, Monsieur le Président, est de savoir pourquoi vous n'avez pas pris en compte les remarques présentées par la Cour des comptes. Et une sous-question, Madame la Ministre, il y a un phénomène dans le budget qu'on appelle le mécanisme de décaissement d'urgence. C'est une forme de poupée russe où des gens ont des manières par lesquelles ils ont accès rapidement et à beaucoup de décaissements. Je voudrais savoir un peu, pouvez-vous nous peindre un peu le tableau de ce mécanisme de décaissement d'urgence? Merci, chers collègues. Merci, honorable. Honorable Ikenge, il sera suivi du docteur Mbakata. Collègue Ikenge, ya bozo bima boyo bozo kenda wapi? Hein? Ah, bon fan de Kenya ako? Collègue Ikenge, anatoka, collègue Ikenge, ferme Bakatar, prenez la place. Venez intervenir. Entre-temps, le collègue Kayembe se prépare. Vous avez la parole, collègue. Honorable Président, je vous remercie pour la parole que vous m'accordez. Avant toute chose, j'aimerais vraiment féliciter Madame la vice-ministre. Elle a fait une très bonne synthèse. Sans cette synthèse, je n'allais rien comprendre avec le tome, avec beaucoup de volumes. Quand je suis allé avec tous ces syllabistes chez moi à la maison, je les ai déposés sur ma petite table, la table s'est cassée. Donc je n'ai rien lu. Je vous l'avoue. Madame, félicitations pour cette synthèse magnifique, correcte. Vous faites partie d'un gouvernement de warriors. Warriors en anglais, vous avez fait l'anglais, je connais. C'est les guerriers. Mais tous les warriors ne sont pas des winners. Il y a beaucoup de losers. Mais vous êtes un winner, madame, et je vous félicite. Oui, on
on me dit de m'adresser à la plénière, je vous en prie, je prends acte de cette remarque, collègue. Madame, donc, je disais, mes chers collègues, veuillez dire à madame qu'elle est winner. Merci. Monsieur le Président, vous avez suivi ici. On a traité le gouvernement d'un petit écolier qui est rentré à la maison avec un bulletin de 21%. Mais ce que nous oublions, que cet écolier hier était analphabète, il n'était même pas à l'école. Depuis quand? Depuis que ce pays existe, on a vu cet écolier ramener un bulletin de 60-70%. Mais c'est la première fois que cet écolier, qui a toujours échoué, atteint le 21%. Et j'ai même entendu qu'on puisse vanter la Cour des comptes ici aujourd'hui. La Cour des comptes a dit. Mais il y a quelques années, la Cour des comptes était incapable même de faire son rapport. Nous l'avons constaté dans cette assemblée. Mais qu'est-ce que cette fameuse Cour des comptes nous dit? Que la mobilisation des recettes s'est améliorée. Mais c'est un acquis très positif. Les recettes se sont améliorées. Mais pourquoi il y a des dépassements? Mais c'est de notre faute, nous les députés. Est-ce qu'au courant de l'année, nous suivons chaque mois? Est-ce que nous interpellons à chaque trimestre les ministres, surtout les ministres des Finances, pour qu'on puisse bien analyser où est-ce qu'on en est à la fin de chaque trimestre quant au dépassement budgétaire? Donc faisons attention, ça ce n'est qu'un rapport de reddition de comptes, mais soyons très vigilants pour le budget qui va arriver. Je termine, Monsieur le Président, en vous disant que la plupart des collègues nous disent que dans leur territoire il n'y a rien, ils n'ont rien vu. Et c'est une vérité, c'est un peu partout. Ce n'est pas seulement au Kwilu, comme l'a dit ma collègue qui m'a précédé. Il en est de même à Kinshasa, il en est de même dans tous les autres territoires. Mais par contre, si vous regardez très bien, dans tous ces territoires, il y a des réalisations des députés. Des écoles qui ont été construites, des ponts qui ont été construits, des distributions de manuels scolaires et que sais-je encore. Moi, je fais la proposition suivante. Puisque les députés travaillent beaucoup dans tous les territoires et qu'il y a un projet maintenant de 145 territoires, je vais demander à notre gouvernement qu'on recense ces députés qui travaillent beaucoup. Avant-hier, j'étais avec un collègue qui m'a montré les images. Il construit un stade. Le stade est déjà fini. Un très bon stade. Toutes les autorités politiques sont arrivées pour inaugurer ce stade. Je fais la proposition suivante, que pour des infrastructures pareilles, faites par les députés, il faut qu'on les recense, il faut qu'on les comptabilise et qu'on rembourse ces députés qui ont beaucoup plus travaillé. On rembourse ces collègues. Parce qu'eux au moins ne volent pas. Ils prennent des crédits dans des banques qu'ils remboursent. Donc qu'on comptabilise qu'est-ce que ces députés ont fait, des écoles et tout ça, qu'on les rembourse. Parce qu'ils ont droit. Mais moi, monsieur, madame, oh, madame, on me dit de ne pas m'adresser à vous. Donc je m'adresse à l'Assemblée, madame. Ne me regardez plus. Chers collègues, quant à moi, je suis propriétaire d'une ONG. Depuis 5 ans, chaque année, dans le budget qu'on est annexe,
Mon ONG apparaît avec des montants minimes, 120 000 francs congolais, 120 000, 200 000 francs d'Odera et tout et tout. Mais on ne les donne pas. Mais à chaque année, des inspecteurs viennent des ministères des Finances pour dire on vous a donné autant. Veuillez nous dire qu'est-ce que vous en avez fait. Moi, je leur demande, apportez-moi des preuves que vous avez versé dans mes comptes cet argent. Et tous rentrent bredouille. Monsieur le Président, je termine en disant, si notre gouvernement qui fait beaucoup d'efforts ne parvient pas à satisfaire tous les territoires, encore une seconde. Dans tout ce territoire, les députés travaillent qu'on nous rembourse ce que nous dépensons à la place de l'État. J'ai dit et je vous remercie. Merci, collègue. Merci. Collègue Ayembe. Que les collègues Tambo et Katambo se préparent. Merci bien, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et très chers collègues, je crois que la recevabilité, c'est autre chose. Mais je voudrais ici d'abord critiquer le rapport de la Cour des comptes. Comme vous l'avez si bien dit, honorable président, ce projet de loi a été examiné par la Cour des comptes. Et la Cour des comptes a fait un travail de titan. Prenez besoin ici, honorable président, de vous dire que tous les volumes nous donnaient, ainsi que les ouvrages nous donnaient là, monsieur le président, ne disent rien par rapport au rapport de la Cour des comptes. Il suffit seulement d'analyser ces rapports-là. Vous trouvez qu'il y a des choses, il y a à voir et à manger dans ces rapports-là. Je ne peux pas comprendre, honorable président, qu'examinant ces projets de loi, la Cour des comptes s'apesantisse sur deux points. Il y a un point négatif et un point positif. S'agissant du point positif, la Cour des comptes ne relève que trois sous-points, A, B, C. Et lorsqu'ils vont au point négatif, c'est 14 points bien énumérés. Moi, je veux bien que notre gouvernement nous dise, lorsqu'il fait la balance entre les trois points énumérés par la Cour des comptes et les 14 points négatifs, la balance pèse de quel côté? C'est notre gouvernement et je crois qu'il doit être responsable. Et il y va de notre responsabilité. Parce qu'il s'agit de notre gouvernement. La recevabilité, c'est autre chose, honorable président. Lorsque vous examinez point par point les 14 sous-points analysés par la Cour des comptes, qui est d'ailleurs notre bras, c'est qu'il est parce que la Cour des comptes fait le travail que nous faisons nous-mêmes. Il nous aide aussi à approfondir ce travail de contrôle. Il vous dit que le gouvernement a laissé 14 points négatifs. Et point par point, la Cour des comptes est éloquente. Je ne vais pas analyser les 14 points parce que je n'ai pas assez de temps, mais je peux évoquer les quelques-uns en survolant, honorable président. Je voudrais savoir, parce que la ministre est là, qu'elle nous dise, pourquoi le gouvernement n'a pas pris en compte les enseignements tirés de l'exécution de la loi des finances lors de l'élaboration des prévisions budgétaires. Parce que là, la Cour des comptes dit qu'ils devaient en tenir compte. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tenu compte de cela? Parce que ça constitue pour eux un tableau de bord sur lequel ils devaient s'apesantir pour pouvoir régler les tirs. Est-ce de la mauvaise foi? Est-ce de l'ignorance ou de la négligence? Par quelle procédure le gouvernement a révisé les budgets réalisés les derniers jours de l'exercice? Par quelle procédure? Je voudrais que le gouvernement nous dise ça. Oui, c'est notre gouvernement, honorable président, mais aussi, il doit nous rendre compte et de manière réaliste. Honorable président, la Cour des comptes nous dit que
que notre propre gouvernement a violé intentionnellement quelques dispositions légales. En l'occurrence, l'article 46 et l'article 47 de la loi des finances. Je voudrais pourquoi ? Parce que cette loi des finances, c'est une loi qui régit qui nous régit en matière de budget. Je voudrais que le gouvernement nous dise pourquoi cette violation intentionnelle. Je crois, honorable président, que c'est des explications que nous attendons pour que nous soyons responsables quant à la décision à prendre. J'ai dit et je vous remercie. Merci, collègue Kayembe. Collègue Tamboué. Merci, honorable président, pour l'accord de la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues. En prenant la parole au cours de ces débats, je suis tenté de me demander si nous faisons ici une mise en scène ou un exercice sérieux de démocratie et qui devrait à chaque fois produire des effets. Parce que je me réalise que sur l'ensemble de la documentation qui nous a été remise comme étant les documents de travail pouvant nous guider dans l'adoption de ce projet de loi de reddition des comptes, il y a des disparités et des difformités inadmissibles. Honorable président, honorable membre du bureau, je voudrais poser la première question à Madame la ministre. Je ne sais pas si elle est venue en victime expiatoire, c'est pourquoi son titulaire s'est évadé. Parce que, honorable président, je ne peux pas comprendre que notre constitution, à son article 58... Collègue. C'est un membre du gouvernement, hein? Elle a été déléguée par son gouvernement. Tout à fait, honorable président. Donc, je me suis seulement posé une question, c'est une interrogation oratoire, honorable président. Je voudrais prouver que cet exercice risque d'être comique et dramatique, partant des éléments que je décèle dans ce document, le tome 1 portant reddition des comptes du budget général. Volume 6. Nous sommes à la page 109 qui concerne ma province du Sankoure, honorable président. Lorsque je prends les cas de mon village natal, le secteur de Zokolongo, où le gouvernement m'informe qu'il a dépensé de l'argent pour la location des immeubles qui n'existaient pas dans mon village, est-ce que c'est sérieux? Que le gouvernement m'informe que pour les dépenses médicales, il a dépensé 1000 francs congolais. Est-ce que c'est sérieux? Alors que les ETD chez nous viennent de réaliser 2 ans de paiement, on me dit ici que dans mon secteur, où il n'y a que moi qui alloue quelques allocations aux fonctionnaires de l'État, le gouvernement dépense 50 000 francs congolais comme frais de gratuité, des primes diverses. Mais c'est des mensonges, honorable président. Alors, en quoi c'est tous ces tableaux qui alourdissent nos étagères? C'est de la raillerie, de la plaisanterie pure et simple. Honorable président, j'en viens encore à un autre document. Le tome 1, volume 1, page 65, honorable président. Regardez un peu une disparité. Tout à l'heure, dans la salle, nous a été distribué un document qui concerne notre avoir à venir. Mais regardons, honorable président. Le numéro 51 concerne le ministère des enclavements et que sais-je encore. Les taux de crédit alloués à ce ministère et des taux d'exécution, c'est 30% seulement. Sur tout, il est 30% seulement. C'est lui que nous avons tenté d'appeler médiocre. 30% seulement. Mais dans cette même page, le point 65, le ministère du genre, 456% d'exécution. 4 ans d'avance dans le ministère du genre. Qu'est-ce que ça veut dire, madame la ministre?
Alors que je nous ai rappelé que le constituant impose au pouvoir public, à l'État, le devoir de procéder à la distribution équitable des revenus et des ressources nationales et de promouvoir le droit au développement. Le droit au développement, mon territoire de Katako en a droit. Le droit au développement, ma province du Sankuru en a. Mais regardez, tous les chiffres que vous avez alourdis sur ces tableaux sont de faux chiffres. Aucune allocation n'a été faite en 2021 dans ma province. Aucune. Mais le tableau est bombé ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que ce que j'ai dit de Katakokom, je peux le dire de Songololo dans le Bas-Congo. Exactement parce que nous avons ici un amas de documents qui ne traduisent pas la vérité. Il y a des irrégularités inadmissibles. Je voudrais comprendre, Madame la Ministre, à travers vos explications pour que je vote utilement, qu'est-ce que vous avez fait de l'argent qui a été attaché ou qui a été alloué à la province du Sankuru, aux ETD de ma province. Dans les cas contraires, je voterai contre et vous savez les conséquences du rejet de cette proposition, de ce projet de loi. Collègue Tamboué, merci. Collègue Didi Jacques. Collègue Ntumba Chabola Bintou se prépare. Ah, c'est une jolie Jacques. Allez-y. Merci beaucoup, honorable président. À force de ne plus me voir, vous ne voyez même plus mon nom. Mais on va arranger en famille. Lumbakwa Tukompa. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je crois que tout a été dit. Tout a été dit parce que, Monsieur le Président, vous avez présenté les félicitations de la plénière à Madame la vice-ministre, qui, pour un premier exercice devant cette Assemblée, s'est assumée avec brio. Je crois qu'il faut l'encourager, d'autant plus que, comme l'a dit un des collègues, l'ensemencement de documents que nous avons pose vraiment un problème de cohérence et de compréhension. J'espère que la prochaine fois, le ministère des Finances nous dira quel est le coût réel d'impression de ces nombreux documents et de budgets. Ça doit faire des millions à ce moment où on est en train de glisser vers le numérique. Il faudra songer à changer cette production. Honorable Président, l'exercice de redevabilité, de transparence auquel le gouvernement se livre, c'est un important exercice. Et il faut féliciter aussi ces gouvernements de s'être mis dans cette perspective. Et quand on regarde le contenu du travail et du gouvernement dans la loi des révisions et de la Cour des comptes, on peut se féliciter que nous sommes sur une bonne direction, mais il y a encore énormément du travail à faire. Du travail à faire parce que la loi de reddition, c'est un tableau synoptique, une radioscopie générale de gestion de l'État. Et lorsque on voit ce texte, on se rend compte que nous avons encore énormément de problèmes. Énormément de problèmes, par exemple, dans l'architecture du texte, on ne voit pas la Caisse nationale de péréquation sur la reddition des institutions. On doit retrouver toutes les institutions. Il n'y a pas d'institutions comme la Caisse nationale de péréquation qui doit assurer la planification du développement de province. Pourquoi, ce serait ma première question, vous n'avez pas
repris les allocations du gouvernement vers cette institution. Un autre élément qu'on voit sous les institutions, vous n'avez rien donné à l'opposition. Nous avons été dans l'opposition pendant plusieurs années, vous ne nous avez rien donné. Maintenant, et je croyais que le collègue Charles allait réclamer, dans les allocations, c'est le montant zéro. Une démocratie ne peut pas fonctionner seulement avec une majorité. Il faut aussi prendre en charge. Pourquoi vous n'avez rien donné à l'opposition? Est-ce parce que l'opposition n'existe pas ou toute l'opposition a fait la transhumance? Ça sera ma deuxième question. Ah. Troisième préoccupation, madame. La Cour et vous-même, vous signalez les relèvements substantiels de réalisation en matière de recettes. C'est une bonne chose. Mais en même temps, on remarque les dépassements des crédits et même des crédits qui ne sont pas prévus. Peut-on alors parler de la bonne gouvernance ou alors de la persistance de la mauvaise gouvernance? L'indiscipline budgétaire, l'indiscipline dans la gestion des finances est la cause de la crise structurelle d'un pays. Mais en lisant ces rapports, je ne sens pas cette volonté, n'est-ce pas, d'y aller au-delà. Déjà, la Cour ne connaît pas les comptables et ne peut pas retracer les comptabilités publiques. Vous avez plusieurs directions. Pourquoi la Cour des comptes ne connaît pas les comptables et n'a pas tous les outils des comptabilités publiques? L'autre élément qui revient à chaque fois, la faiblesse des investissements et la surconsommation des crédits, des biens et équipements, notamment des locations des avions, des affrètements. On arrive à un taux au niveau de la primature qui atteint 2421%, madame. C'est quand même extraordinaire. Pourquoi? Alors, s'il y a un désenclavement à faire, faisons-le ensemble. Et s'il y a des avions à trouver, trouvons-les ensemble. 2421%. Un autre déséquilibre qui traduit la faiblesse de notre État, c'est que vous donnez l'argent seulement à 6 ministères dits de souveraineté qui sont à Kinshasa. Le ministère des Affaires étrangères ou les autres ministères vous cités ne sont pas à l'intérieur. Et vous ne donnez rien aux provinces. C'est un État, une forme d'État qui a une grosse tête et qui n'a pas, n'est-ce pas, un ancrage. C'est un État faible. Vous donnez à la province de la Tchad, par exemple, 3 milliards par an pour 1 500 dollars pour 6 territoires. Et il y a des territoires qui obtiennent pour la construction de routes 4 000 dollars. Qu'est-ce qu'on peut construire avec 4 000 dollars? L'achat des produits pharmaceutiques, comme on l'a dit. Est-ce que vous voulez construire ces pays ou vous voulez faire simplement du saupoudrage? Honorable Président, je ne vais pas aller plus loin. Je voudrais parler de comptes spéciaux. Là où l'argent de la République, on voit cet argent de manière réelle. FPI, Fonds de promotion culturelle, RVA avec l'IDEF. Et là, il y a comme une sous-évaluation, c'est la Cour des comptes qui dit, et on arrive à des plus-values de plus ou moins 265 milliards, et malheureusement, que ce soit le fonds minier ou l'IDEF, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait de cet argent. Est-ce que vous pouvez nous dire, le fonds de promotion de l'industrie, le fonds de promotion du tourisme, le fonds de promotion de l'enseignement, le fonds, tous ces fonds, à quoi ça sert? Et où vont ces milliers de dollars qui, pour les uns, sont même séquestrés, semble-t-il, et que le gouvernement ne peut pas retracer depuis 2018? C'est quand même un aveu d'impuissance.
Monsieur le Président, je ne veux pas aller plus loin. Je dirais simplement que je veux, comme les collègues, vous donner un satisfait. C'est vrai que le collègue a parlé de 21%, mais à l'université, il n'y a plus de refusés. On parle de non-admis à la filière ou alors on vous donne la mention passable. Je crois que le gouvernement, vous avez une mention admissible, mais il faut continuer à travailler. Parce que, quel que soit le remonté de ressources, la surévaluation ou les travaux de la DGDI ou autre, si cet argent n'a pas d'impact ou d'efficacité ou d'efficience sur la population, ben on peut se demander à quoi sert l'État. Parce que si on voit les classements des pays les plus pauvres où on prend l'indice de développement humain, nous sommes, bien sûr, nous avons quitté la 20e place, mais nous sommes toujours parmi les 5 pays ou les 10 pays les plus pauvres. Mais je veux bien que la Somalie soit là. Je veux bien qu'on parle du Sud-Soudan. Je veux bien qu'on parle de la Centrafrique. Mais ils n'ont pas à la fois la puissance, la superficie et les ressources que nous avons. Si nous sommes plus forts que le Burundi ou le Mozambique, mais nous restons parmi les pays les plus pauvres et notre population a l'indice de développement humain parmi le plus bas de la Terre, ça devrait nous préoccuper. Je vous remercie. Merci, collègue. Collègue Ntumba. Que les collègues Azouazoua se préparent. Oui, on va, Président. On peut commencer. Merci beaucoup, honorable Président, pour la parole accordée. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues, mon intervention sera axée sur le tome 1, reddition des comptes du budget général, volume 6. Première partie, services provinciaux, au point 1. Dépenses des services provinciaux des 11 provinces, notamment Bazouélé, Équateur, Haut-Katanga, Haut-Lomami, Haut-Touélé, Ituri, Kassai, Kassai Oriental, Congo Central, Kwango et Kwilu. Dans sa page 99 jusqu'à la page 113, point 8, concernant la province du Kassai Oriental. Ma première observation, après avoir parcouru ces documents, est que partout, il y a autant des écarts de l'ordre de centaines de millions de dollars. Pourquoi tant d'écarts? Et presque partout, le montant prévu n'est toujours pas décaissé en totalité. Deuxième observation, c'est en parcourant la partie réservée à la province du Kassai Oriental qui compte 5 territoires. Les territoires de Katanda, Miabi, Chilenye, Lupatapata, ainsi que Kabeyekamwang, plus la ville de Mbujimai. Je constate malheureusement qu'il y a l'omission de 2 territoires qui n'ont rien bénéficié. Il s'agit du territoire de Katanda et le territoire de Kabeyakamwang. Pourquoi ces 2 territoires ne sont pas pris en compte par le gouvernement? Vous n'avez rien donné dans ces 2 territoires. Une omission volontaire ou bien vous avez voulu que c'est la population qui habite là-bas ne reçoive absolument rien. Honorable Président, ma deuxième préoccupation, c'est en rapport avec le tome 2, réduction des comptes du budget général concernant les missions diplomatiques et postes consulaires de la République démocratique du Congo. Dans sa page 16 et 17,
Les tableaux synthèse des recettes des budgets annexes de l'ESU, enseignement supérieur et universitaire. Parmi les recettes prévisionnelles, on note plusieurs rubriques suivantes. Minerval, carte d'étudiant, formulaire d'inscription, entérinement diplôme, loyer, enrôlement, première session, enrôlement, deuxième session et autres actes. Sur ce, honorable président, je voudrais savoir qu'est-ce que le gouvernement entend par autre acte? Est-ce la vente des syllabus, la vente des TP, la vente des interrogations, des pratiques décriées par les chefs de l'État et toute la population congolaise, y compris la population académique? Je note, honorable président, qu'il y a d'autres recettes qui échappent aujourd'hui dans nos instituts supérieurs universitaires au gouvernement. Il s'agit de la perception de 65 dollars par étudiant qui passe d'une promotion à une autre dans un même établissement. Ces pratiques prohibées à l'école primaire et secondaire continuent dans le monde académique et surtout dans les institutions académiques privées. Oh, président, que le gouvernement nous dise les 65 dollars perçus pour monter d'une promotion à une autre par les institutions supérieures, ça sert à quoi? Ça n'apparaît pas dans les budgets ni dans tout ce qu'on nous a présenté comme réduction des comptes. Que dire des frais de stage obligatoires par étudiant de 20 à 100 dollars pour passer les stages dans une institution de l'État? Où vont ces frais perçus par les autorités académiques au nom de l'État? Avant de terminer par quelques questions, je voudrais savoir, puisque pendant toute cette législature, nous avons eu à parcourir, à visiter quelques ambassades, nos ambassades à travers le monde. Mais tous ces ambassadeurs se plaignaient de leurs conditions de travail et notamment de l'impayement des loyers. Je voudrais savoir si le gouvernement a déjà trouvé des solutions à ces problèmes avec tout ce qu'il y a eu comme embellie financière. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement? Vous avez encore une seconde, collègue, pour conclure. Merci beaucoup, président. Je termine pour pas dire au gouvernement de prévoir dans les budgets à venir de doter nos ambassades des appartements et des parcelles pour mettre fin au problème de location et améliorer les conditions de vie de nos ambassadeurs à travers le monde. Je ne vais plus revenir sur la caisse de péréquation, mais je termine par demander au gouvernement, monsieur le président, dans la prévision du gouvernement, il y a toujours réhabilitation des pistes d'atterrissage. Dans mon territoire, le dernier avion à décoller, c'était en 1979. Mais cet argent sert à quoi? Des pistes d'atterrissage que vous améliorez dans des territoires. Est-ce que les avions vont dans nos territoires? Non. Merci beaucoup, je termine. Merci. Collègue Kazoazoa, cher collègue, il n'y aura pas de motion. À la fin, tous ceux qui se sont inscrits doivent intervenir. D'accord? Pas de motion, s'il vous plaît. Oui, clos. Vous allez prendre des sandwichs et puis... Je sais que vous avez mangé des sandwichs. Collègue Kazoaza, vous avez la parole. Merci, honorable président, de la parole que vous m'accordez. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues, je tiens à remercier aussi le membre du gouvernement, comme l'a fait le président, et placer quelque chose sur tout ce qui a été dit par les collègues. Honorable président, nous sommes à cette reddition des comptes du budget rectificatif de l'année 2021, mais malheureusement,
Le gouvernement, en dehors de ce qui a eu rectification de ses budgets, a pu enregistrer aussi plusieurs comptes en dépassement. Je ne sais pas. C'est notre gouvernement. Lorsqu'il y a des remarques faites toutes les fois qu'ils viennent présenter la reddition des comptes, et à la fin il y a des recommandations, est-ce qu'ils s'en servent? Ou ils se contentent seulement à se dire, écoutez, nous sommes leur émanation et nous pouvons faire ce que bon nous semble. Entre-temps, pour bafouer ou fouler au PC que nous faisons. Honorable Président, c'est notre fils et nous devons, devant cette assemblée ou devant ces micros, aussi dire des choses correctes à ses fils pour qu'ils puissent changer et voir les choses évoluer autrement. Lorsque vous prenez la LOFIB, le dépassement que vous faites, est-ce vous respectez la loi? Et quand on ne respecte pas la loi, c'est quoi? Vous inscrivez les lignes budgétaires que vous ne parvenez pas à actionner, mais il y a plus de dépassements dans plusieurs autres secteurs. Est-ce qu'on est responsable? Honorable Président, lorsque vous allez dans la reddition des comptes et le rapport nous fourni par la Cour des comptes, le premier constat que je fais à la page 45, il y a un dépassement vertigineux pour le secrétariat du gouvernement. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait ce dépassement? Notez et que vous devez nous donner des explications. Ce n'est pas un ministère de souveraineté, mais il y a eu ce dépassement vertigineux, j'ai dit bien, de secrétariat du gouvernement. Constat page 53. Chez moi dans le Kwango, je ne vois pas une université, moins encore une institution qui a bénéficié de suppléments dont il y a ici. Tableau 26, page 53. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que ce sont des écoles ou des universités qui sont dans vos provinces respectives, pas les nôtres, où vous êtes en train de gérer l'État pour que chacun des Congolais puisse sentir les efforts de l'État. Honorable Président, je veux que le gouvernement me dise quelque chose après votre réunion avec la Cour des comptes. Parce que je lis dans les rapports le procès verbal qu'il y a entre le gouvernement et la Cour des comptes. Les remarques ont été formulées et elles sont toujours formulées. Mais comment vous vous sentez lorsque vous lisez vous-même ces rapports-là de la Cour des comptes? Ou quels sont les remèdes que vous proposez à toutes ces défaillances remarquées? C'est ce que je veux que vous me donniez comme réponse à toutes les remarques faites par la Cour des comptes, qui est une institution aussi de contrôle, que vous veniez nous dire comment vous vous êtes d'abord senti et quels sont les remèdes que vous apportez. Honorable Président, je ne peux pas quitter ces micros sans pour autant dire au gouvernement que je voulais alors que vous rayiez la province du Kwango dans tout ce que vous faites.
Parce qu'il apparaît que des noms, dans quel territoire que vous avez réalisé 2-3 infrastructures avec ce budget rectificatif, avec cette réduction. La province du Kwango. Vous avez encore une seconde pour conclure. Merci de votre générosité, honorable président. Commencez à partir du territoire de Fès, Kaemba, Kasongolunda, Kenge, Opokabak et la ville de Kenge où je suis élu. Qu'est-ce que vous avez réalisé en 2021? Est-ce que nous sommes comptés comme une province dans cette république ou non? Sincèrement, vous êtes notre gouvernement. J'accepte voter pour cette reddition des comptes, mais je veux que vous corrigiez. Au cas contraire, je serai aussi un auteur, même de votre départ jeudi. Merci, chers collègues. Pas de menace. Collègue Boufaya. Collègue Boufaya. Il sera suivi du collègue Bokele Innocent. Auteur au Congo, il y a mon Christ sauté pour un ami. Hein? René Sébastien, on a dit. Tiens, non, comment il y a mon Christ? Non, on conduisait la propre. Ouais. Merci. Boufaya Célestin? René Sébastien. René? Oui. Je vais écrire ça. Merci, Président. Merci. Merci. Vous avez la parole, chers collègues. Honorable Président, l'exercice auquel nous sommes soumis cet après-midi, Monsieur le Président, est une exigence constitutionnelle. Et le constituant fait de ce travail, du rapport de la Cour des comptes, un préalable à l'examen du budget qui nous sera soumis, que nous allons examiner dans les jours qui viennent. Nous avons donc intérêt, notre président, à accorder toute son importance à ce travail. Beaucoup de choses ont été dites sur le rapport de la Cour des comptes, notre président. Oui, le gouvernement de la République a produit un travail, un budget. Nous l'avons voté. Et dans son exécution, il a été relevé beaucoup de failles, honorable président. Nous devons avoir le courage de le reconnaître. Certains ont même dit que le gouvernement devrait, après lui avoir attribué une cote, il devait subir la sanction qui a été proposée. Mais toute sanction collective n'est pas une bonne chose, honorable président. Je suis juriste. C'est toujours bien d'établir des responsabilités personnelles. Le gouvernement est une institution qui est animée par des personnes et il serait malheureux, regrettable que tout un gouvernement tombe, par exemple, à cause d'une faute ou des fautes qu'auraient commis certains de ses membres. Il faut donc privilégier, honorable président, dans toute la mesure du possible, des responsabilités individuelles. En matière du budget, deux ministères interviennent de façon prépondérante. C'est le ministère du budget qui liquide, il a le rôle de la liquidation, et c'est aussi le ministère des Finances qui ordonnance, il joue, remplit le rôle d'ordonnancement, honorable président. Les collègues l'ont dit, le travail de la Cour des comptes a fait l'objet
rencontre dite de contradictoire entre le ministre des Finances et la Cour des comptes. La conclusion est simple, honorable président, en une phrase. La Cour des comptes fait remarquer au gouvernement, etc., c'est la toute dernière page. Par conséquent, la Cour des comptes maintient toutes les observations formulées sur les dépassements et les sous-consommations des crédits en rapport avec les trois composantes du budget du pouvoir central. C'est une affirmation sans équivoque, honorable président. C'est une sentence et les conséquences devraient être tirées. S'agissant du contenu même de ce rapport, il est résumé à la page 5 du travail fourni par la Cour des comptes. Point positif, 3. Cela a été dit. Point négatif, 14. 14, honorable président. 14 contre 3. Mais je pense qu'il n'y a pas match. Je pense qu'il n'y a pas à tergiverser, honorable président. Le gouvernement est composé des individus. Et si certains d'entre eux ont commis des fautes qui risquent de faire chavirer le navire, les conséquences doivent être tirées, honorable président. Quand on entre au gouvernement, ou on connaît ou on ne connaît pas, si on ne connaît pas, on doit être en mesure d'assumer les conséquences. Je sais que beaucoup ont dit, si c'est notre gouvernement, c'est notre gouvernement. Ici, nous sommes en face du gouvernement de la République. Ce n'est pas le gouvernement de la majorité, ce n'est pas le gouvernement de l'opposition, honorable président, c'est le gouvernement de la République. Et si vous permettez, pour les besoins de l'opinion, acceptez que je puisse lire les 3 points positifs et les 14 points négatifs, honorable président. Premier point positif, relèvement substantiel des réalisations du budget du pouvoir central de l'exercice 2021, etc. Deux, réalisation d'une manière générale des assignations des recettes par les régies financières. Trois, performance réalisée par la Direction générale des impôts, je n'y reviens pas. Point négatif, honorable président, et nous devons avoir le courage d'assumer. Premier point, non prise en compte par le gouvernement des enseignements tirés de l'exécution des lois de finances antérieures lors de l'élaboration des prévisions budgétaires. Nous avons affaire, honorable président, à un gouvernement Matoy Mangbongi, comme disent les Quinois, et comme certains l'ont dit. Nous l'avons toujours dit dans cet hémicycle, honorable président. Nous avons toujours fait des observations. Mais les membres du gouvernement n'en tiennent pas compte. Alors pourquoi est-ce qu'on nous amène ces documents? Deuxièmement. Encore quelques minutes, allez-y. Merci, honorable président, surtout qu'il s'agit du PPRD, le grand groupe parlementaire de l'opposition et même de l'Assemblée nationale. Merci, honorable président. Point B, révision budgétaire réalisée au dernier jour de l'exercice affectant le total du budget. 3. Recours à une procédure d'urgence non réglementée par certains paiements des dépenses du budget général. Pour éviter que le président ne puisse me couper la parole, je laisse les autres points. Vous les avez dans les documents qui vous ont été remis, chers collègues. Non, honorable président. Le gouvernement devait avoir honte. Il devait avoir honte. J'apprécie le courage de Madame la vice-ministre. Mais en termes de responsabilité, honorable président, ayant aussi le courage de pointer les gens du doigt. Ou on connaît, ou on ne connaît pas. Il s'agit du budget de la République, et moi, je ne voterai pas pour un tel texte qui n'a pris en compte, mais rien en compte, mon territoire Bongandanga. Je ne sais pas si dans cette salle, beaucoup de collègues connaissent que dans ce pays, il existe un territoire appelé Bongandanga. Et pourtant, je ne termine pas ma phrase. Je dis donc, honorable président, c'est ça le sens de mon « et pourtant ».
Voilà, Monsieur le Président, je pense que nous devons avoir le courage de tirer les leçons, les conséquences de cette négligence coupable de la part du gouvernement de la République, de la part surtout des ministres ou des ministères concernés. S'agissant de la recevabilité, honorable Président, il va de soi que mon groupe parlementaire, le PPRD, ne peut pas recommander le vote d'un tel texte, honorable Président. Puisque nous sommes dans la démocratie, nous serions peut-être amenés dans la pire des hypothèses de subir la loi de la majorité. Mais en démocratie, honorable Président, la majorité, la démocratie, c'est la voie de la majorité, mais avec protection, avec une oreille attentive à la minorité, à l'opposition, honorable Président, j'ai dit. Merci, collègue Boufaye. Nous vous avions entendu. Merci. Collègue Bokele, que le collègue Ntsingi Pouloulou se prépare. Merci, honorable président, pour la parole. J'allais dire sans objet, mais étant donné que la province de Maïndombe, qui est ma province, a eu les mêmes problèmes que d'autres provinces, je devrais qu'intervenir. Honorable Président, quand je prends tome 1, volume 6, deuxième partie, page 15, relatif aux services provinciaux, j'ai remarqué avec amertume, et c'est la seconde fois, parce que la fois passée, le ministre a dit qu'il a hérité les dossiers du gouvernement Ilunga, et il nous a promis qu'il va arranger les choses. Au contraire, il y a un désastre. Comment voulez-vous la province de Maïndombe, qui a 8 territoires, une ville, et on affecte les fonds que pour quelques territoires, à savoir territoire de Koutou, territoire d'Inongo, territoire de Oshoué, Mouchi et Kouamoutou, le territoire de Bolobo, de mon collègue Bolio, oublié dans les Maïndombe, le territoire de Kiri, qui est ma circonscription électorale, oublié, tais-toi de Yumbi, oublié. Et je ne sais pas s'il y a une nouvelle cartographie administrative où ces territoires sont inscrits. Honorable Président, ma question est de savoir, même si Koutou, Yumbi, d'autres là, on a affecté les fonds, mais en tant que député, j'ai posé la question à ces animateurs des entités. Ils ne reçoivent rien. Mais d'où viennent ces chiffres? Qu'on a garni les tableaux avec les chiffres, ça vient d'où? Honorable Président, il ne faut pas qu'à tout moment qu'on nous amène des chiffres, alors que la réalité s'intéresse, c'est tout autre. Dans les Maïndombe, ces gens souffrent, ils n'ont rien réussi. Les papiers, c'est nous les députés qui achetons. Les machines, c'est nous. Mais on voit des listes, des millions, autant de millions Maïndombe. Rien, honorable Président, il n'y a rien. C'est pour ça que je voulais demander à Madame la Ministre de nous dire quelle est cette banque qui a reçu cet argent dans les Maïndombe. Et quelle est cette banque qui a procédé au paiement avec les documents certifiés. Est-ce qu'il y en a? Nous sommes obligés aujourd'hui de demander même une émission parlementaire d'aller vérifier sur le terrain. Parce que trop, c'est trop. Deuxième préoccupation, honorable Président, j'ai vu dans les documents une réalité. On dit prévision, par exemple, 1 million de francs congolais. Engagement, zéro. Liquidation, zéro. Ordonnancement, zéro. Disponible, 1 million. Madame la vice-ministre, honorable Président, le budget a été voté en équilibre. Mais les fonds disponibles là, on les a affectés où? Ce fonds-là disponible. À la plénière, adressez-vous à la plénière. Honorable Président, je demande les fonds disponibles là, j'ai vu dans les documents. Les fonds disponibles, on les affecte où? Et là, la madame la ministre va nous expliquer là où les fonds disponibles, c'est-à-dire les alliés, on les a affectés où? Ils appellent où?
Je vais terminer, honorable président, au niveau de l'exécution des dépenses du pouvoir central. Quand j'ai analysé les rapports nous présentés par le ministère des Finances, le ministre confirme que 8 institutions, 15 ministères accusent des taux d'exécution au-delà de 100%. Et il a cité qu'on fait les tableaux. Honorable Président, si le gouvernement, à travers Madame la Ministre, peut nous expliquer les écarts ou cette augmentation, ce dépassement que moi j'appelle dérapage budgétaire, étant donné que, comme j'avais dit, le budget a été voté en équilibre et son exécution doit être faite en respectant les équilibres. À titre illustratif, ministère, genre, famille et enfants, 456%, honorable président, quelles sont ces activités importantes des gens de famille qu'on a réalisé qu'on puisse aller à 456%? Je sais que genre l'activité importante c'est le 8 mars. Mais le 8 mars, moi-même j'ai tout supporté. Mais les 456% là, comment on peut nous expliquer là? Qu'est-ce qu'on a fait de spécial? Sport et loisirs. Mais qui ne connaît pas les débats du sport congolais? 368%. Mais comment on peut expliquer ça? Budget, vous-même qui préparez, 153%. Où est l'autodossier budgétaire? Finance, 128%. Primature, 123%. Je ne vois pas Primature qui ne fait que la coordination va aller au-delà de 100%. Alors que le Parlement a été attaqué ici, Président chapeau bas, vous avez respecté, vous êtes à 100,2. Voilà un homme qui respecte la gouvernance, le président Mbosso. Azam Mobali, voilà un homme. Président, je vous respecte, président. Au moment où, honorable chers collègues, au moment où nos autorités budgétaires, nous respectons les 100%, mais les ministères vont au-delà. Et là, j'interpelle la commission ECOFIN. Parce que chaque 3 mois, vous devez faire l'évaluation d'exécution du budget. Comment le gouvernement peut aller au-delà de 100% alors qu'il y a une commission de l'ECOFIN? C'est qu'il y a un laissé-aller. Voilà pourquoi, notre président, bien que nous disons que nous allons accepter le travail fait par le gouvernement, mais madame, nous disons qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut rectifier, parce que comme a dit le président, le parlement n'est pas théâtre, le parlement c'est la responsabilité du peuple congolais à travers ses élites, j'ai dit. Merci beaucoup collègue Bokele, merci beaucoup. Collègue Ntsingi Pululu. Il sera suivi du collègue Lombaku. Alors, collègue, vous savez, depuis que le collègue Ntsingi et Dédé Kodoro ont rejoint la SNEL, il n'y a plus de coupure de courant. Laissez les collègues intervenir. Merci. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, président. Merci encore parce que vous êtes là. Votre présence nous sécurise. Honorable président, dignitaire à l'Orient, et vous tous, mes très chers collègues, une personne élue députée restera toujours celle qui défend le peuple par la parole et qui illumine le monde par la vérité. Je vais commencer mon propos par la dernière page de la Cour des comptes. Je crois que cette Cour des comptes
mérite d'être applaudi. Il commence à être sincère. La Cour des comptes, et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait raison que ces magistrats prêtent serment. Je vais lire un extrait. La Cour des comptes dit ceci. La Cour des comptes fait remarquer au gouvernement qu'elle a connaissance de ces mécanismes. Il conclut en disant, par conséquent, la Cour des comptes maintient toutes les observations formulées sur les dépassements et les sous-consommations des crédits en rapport avec les trois composants du budget du pouvoir central. Point. Alors je reviens vers moi-même. Honorable Président, c'est quoi la reddition des comptes? Vous qui avez fait des sciences économiques, la reddition des comptes a pour mission, c'est de favoriser la mobilisation et à encourager le peuple à poursuivre son engagement, son adhésion au programme du gouvernement et faire confiance à ses animateurs. Mais nous savons tous la politique du chef de l'État, sa politique générale, se résume en le peuple d'abord et l'État de droit. Faisant foi et adhérant ou accompagnant les chefs de l'État, ces rapports me font des révélations graves et choquantes dans la mesure où plus de 900 milliards décaissés sans faire quelque chose. 900 milliards décaissés sans faire quelque chose. Ici, on vient de dire, Président, les collègues Bokele venaient de vous féliciter, vous respectez les états financiers. Vous vous faites même contrôler. J'étais dans la commission, non? Mais papa, apprenez-les à respecter l'État. Je vais dans les détails. Président, sur un montant de 1,721,449,795 francs prévus pour la réhabilitation de la route reliant Kintsuka et la route Lutendere par Kimboa, un montant de 12 milliards a été décaissé. Alors que cette route n'avait jamais connu de début de travaux en 2021. Papa, l'année, papa. Mystérieusement, dans le budget 2022, on vient d'encore de souscrire cette route à la hauteur de 1 milliard 932 856 977 francs congolais. À la page 278 du document numéro 6. Papa, cette route se retrouve encore dans le budget de 2023. L'année de guerre et aventure. Donc, Ouanagali Rabi, il ne change pas. Dans le budget 2023, à la page 298, document numéro 6, cette fois-là, une prévision de 2,247,841,846 francs congolais. Reste à savoir quand prendra fin cette manière de faire tant décrier, qui sème désolation et enfonce notre peuple dans le sous-développement. Jusqu'à quand? Président, je suis toujours à Kinshasa. La réhabilitation de la route Bel Air, Bretel Bypass Kimwenza, a été financée déjà en 2021 à 50%, soit 3,058,414,011 francs congolais. Mais on vient de décaisser 6 milliards. Président, ce qui m'a choqué, il n'est pas normal de voir au ministère des Finances une autorisation en paiement des procédures d'urgence de 18 milliards, papa, là on a bien, 18 milliards 565 millions 500 000
962 francs congolais sur un crédit de 29 500, 957 946 francs congolais. C'est-à-dire, on demande 29 millions de francs congolais, mais ils ont décaissé en mode de dirigeance 18 milliards. Papa, même Satan l'a raboyé. Mais nous, on a même comme Guinéra, ça peut être raboyé. Même la Kiss, aussi Kiss Banganga, on peut s'en raboyé. Vous allez plaire, président. Les mêmes habits se constatent aussi au ministère des Finances, encore. On le voit. Moi, je suis en lobby à 18 millions, 18 milliards. Ça fait quoi? Il paraît, ils ont aidé un soi-disant l'Union des consommateurs congolais. Moi, j'ai appelé le président de l'Union des consommateurs congolais. Je ne sais pas s'il est là. Je les ai appelés. Je connais cet organe. Non, non, non. Ils ont dit, ils sont surpris d'apprendre ça. C'est très honteux. Président, un autre décaissement au ministère des Finances de 300 milliards. Vous savez que 300 milliards de francs congolais sur un crédit de 200 millions. 200 millions, mais on décaisse 300 milliards. Pour... Nazoye Bissoyo, moi, Nazoye dans le lingé. L'inette, on est dans la fière. Nazoye le lingé. 300 milliards. Pour quelles raisons? Construction d'un bureau, le Beseko. Dans l'équipe de Beseko, rien n'a été construit. Et vous savez tous que dans le budget 2021, l'institution Cours et Tribunaux a un budget maximum de 283 milliards de francs congolais. Mais on décaisse 300 milliards. Kakaboy. Président. Vous pouvez aller plus loin. Hein? On autorise encore un paiement de 19 155 683 640 francs congolais sur 54 millions. Donc 54 millions, on décaisse 19 milliards. Pas 141. Mais, si je continue à lire, c'est choquant. C'est très choquant. Et révoltant. Président, qu'est-ce que nous faisons au juste? La pérennisation de ces fautes tant décriées éveille en nous une suspicion d'une thèse du complot orchestrée par les ministères sectoriels et les ministères concourant à la chaîne des dépenses. Président, qu'est-ce qui se passe en réalité? Nous qui venons des entreprises, nous qui étions des agents ou des cadres par-ci, par-là, qu'est-ce qui se passe, président? Les DRH, directeur des ressources humaines, il a fait 3-4 salaires dans votre compte. Et après, il vous appelle, après quelques jours, il vous appelle. Petit Yavi, envoie-moi les deux autres, là, toi, tu prends quelque chose. C'est ça la réalité. Parce que à Kinshasa, j'ai suivi le compte rendu du Conseil des ministres. Les ministres se plaignent de ce qui se passe à Kinshasa. Toujours, on a affecté 200 millions à Kinshasa, 200 milliards à Kinshasa, 500 milliards à Kinshasa. 180 milliards à Kinshasa. Les ministres eux-mêmes se plaignent. Oh, pendant que nous sommes ici, l'avenir et l'engue, ça n'est pas encore terminé. Mais le budget des agences, c'est 48 milliards de francs congolais. Ah, même Satan a compris qu'en Congo, il n'a pas besoin de maudire les gens. Il peut chercher ailleurs. Parce que les Congolais les passent mieux que lui. Président. Président. Résumez-vous. N'a comprendre que ça lui passe. N'a comprendre que ça lui passe. T'es l'oba. Obi. L'oba cache, résumez-vous. Papa, vous avez suivi les députés, les collègues, comment ils réclament. Oui. Revenons dans les rapports de vacances parlementaires. Papa, c'est un miroir. Les vacances des rapports parlementaires, c'est un miroir. Si vous laissez le gouvernement, nous, d'abord, ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle le laxisme. C'est ça ce qu'on appelle le laxisme. Et nous, scientifiques, nous qui avons étudié pour l'intérêt, pour être un modèle. Papa, quand on étudie, c'est pour être un modèle. Un député, c'est l'élite, c'est pour être un modèle. Quand nous passons ici, c'est pour que nous soyons modèles. Vous avez encore une seconde pour clôturer. Merci, papa. Donc, je disais que nous devons être un modèle. Vous allez instruire, vous allez demander au gouvernement. Bon, ça ne sert à rien de les demander. Carrément, adressez-vous au président de la République qui a les soucis réels, vrais, de se distinguer dans le bon sens comme moi.
dis-lui de cesser avec cette aventure. Si ce que j'ai dit, ça vous a choqué, dites-vous que vous n'avez rien compris et que vous avez besoin de la notion de la pratique de vertu. J'ai dit. Merci. Collègue, la route dont vous avez parlé vers Kintsuka. Elengesa, papa. Route Elengesa. Elengesa? Oui. Elengesa, c'est là. Non, non, c'est que ça parlait Kimbuala, la bretelle Kimbuala. Alors, vers Kimbuala, c'est la route Nzolana. Oui. La route Nzolana, on va lancer les travaux demain et jeudi. Oh, mais bon, mais demain, en 2021. Jeudi. Quand c'est bon, mon bon, c'est là, va aller à vous. Mbongwe bima balia toko lingi yaka toko kende te eko bandana ngome ngola zora peloka ke mbongwe bima balia yoko kote la kabangote oza kamarade na bangote na lakambala na mbala papa regardez votre âge vous avez le pays qui a donné de vous tout 1 11 fois ministre 2 7 fois député 3 président d'un bureau d'âge 4 président définitif de l'Assemblée nationale papa et ça vous qui est moko et pas sur Nyonso. Et ça veut dire que yo pensons que c'est la mokoyo. Na nini, na ba valeur, na orientation, na contrôle, rigoureux, sans sentiment, papa. Papa, s'il vous plaît, papa, pourquoi tu es la bangote? Bon été, papa, bon été. Tant que la soukoufa, bon été. Bon été. D'accord. Acté. Acté. Collègue Lombako. Il sera suivi du collègue Patsiza Pamba. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, je voulais dire sans objet, honorable président, parce que tout a été dit. Vous voyez que l'intervenant qui vient de partir ici voulait même plaider. Honorable président, je voudrais que les membres du gouvernement prennent les rapports de la Cour des comptes comme un rapport conseil. Honorable président, est-ce que nous sommes, nous députés, obligés de venir et revenir ici chaque année pour déplorer les mêmes pratiques? Non, honorable président, je n'ai pas voulu faire une intervention comme telle. Je suis là pour conseiller notre gouvernement parce que c'est de par les actions que vous allez mener sur le terrain que le chef de l'État aura un bilan à présenter aux élections de 2023. Mais si le chef n'a pas un bilan, que dire de nous autres députés nationaux? Et donc, nous risquons d'avoir la même difficulté aux élections. Travailler pour l'intérêt de la population, et cette même population qui nous a élus hier pourra nous renouveler confiance. Je vous remercie, honorable président. Merci, honorable Lombako, honorable Patsiza Pamba. Il sera suivi du collègue Mbengo. Il reste une quinzaine, hein? Merci, honorable président, pour la parole que vous nous accordez.